Après la fin de mes cheveux, vient la fin de Yandere Simulator. Yandere Simulator laisse place maintenant à Mandere Simulator. Yo les amis, c'est Fritz, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, c'est la fin de Yandere Simulator parce qu'aujourd'hui on va jouer à Mandere Simulator. Alors vous inquiétez pas, c'est une joke de la part de Yandere Dev. C'est une version qui a été faite pour le 1er avril. Sauf que moi le 1er avril, bah j'étais en Turquie gros. Donc impossibilité de faire la vidéo sur Mandere Simulator. Donc vous en faites pas, Yandere continue. C'était un prank pour le poisson d'avril. Mais on va quand même découvrir cette version parce que je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il a fait. C'est juste qu'il a changé le personnage. Voilà, on va voir un mec bien badass. Et tout, donc ça va vraiment être stylé de redécouvrir un petit peu le jeu avec un nouveau personnage. Bref, c'est parti, j'espère que vous êtes chaud. Si oui, mettez le petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Let's go. Mandere Simulator is brought to you by the following sponsors. Ça c'est marrant, il dit exactement la même chose, sauf que bon, il remplace Yandere par Mandere. Et voici le fameux protagoniste. Comme je vous l'ai dit, c'est un mec assez baraque et tout. Bon, il est pas très beau, mais ça va être stylé de pouvoir faire quelques petites expériences avec lui. Donc c'est parti, on fait en mode normal, hein, classique. On va d'abord aller voir dans la chambre pour voir s'il est dans la chambre ou pas. Ou est-ce qu'il y a des bugs, je ne sais pas. Et nous voilà avec notre magnifique personnage qui est droit comme un piquet. C'est-à-dire même pas un personnage vivant, on dirait un mannequin. Bon, on peut le voir, on a accès à la chambre avec lui. Je veux juste voir, est-ce qu'il est amoureux de Senpai lui? Oui, oui, c'est en gros c'est exactement la chambre d'Ayano. Sauf qu'on le contrôle, lui, c'est parti. Je vais directement à l'école et on va tester quelques petits trucs intéressants. Nous voilà arrivés dans l'école. What the fuck? Déjà là, il y a un énorme problème au niveau de ses bras. Ouais, c'est un petit peu mal foutu, hein, on va pas se mentir. Il est assez grand aussi. Regardez la différence de taille entre moi et les élèves. C'est vrai qu'on est assez grand et on est baraque, bien évidemment. Même si son corps est un petit peu difforme, on va pas se mytho. Et il a de ses pieds, mon pote. Putain, avec des pieds comme ça, tu peux tuer quelqu'un, c'est sûr. Bref, du coup, on va tester les trucs de base, genre par exemple si je rigole. Oh mec, c'est tellement horrible, c'est limite creepy de ouf en fait, c'est genre. Et regardez ses bras, what the fuck? Oh là là, c'est horrible mec, rien que rigoler, et sa tête aussi. Oh là là, en fait, plus tu fais des animations qui requièrent de longs mouvements, et plus ça se part en steak en fait. Donc là, si je m'accroupis, voilà, hein, là niveau de discussion, on est vraiment pas mal du tout, les bras c'est de pire en pire. Et si je m'allonge comme ça pour ramper. Oh là là, mon dieu, c'est plus du tout un homme, là, c'est une créature, regardez comment ça bug au niveau du cou et tout, c'est atroce. Waouh, bref, 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 je vais me remettre debout, c'était déjà pas fameux debout, mais alors laisse tomber, plus tu descends en bas et plus c'est pire. Je peux parler à des élèves. Attends mec, je ne vois même pas l'élève qui est en face de moi tellement je suis grand. Ok, je peux m'excuser tout en mode au calme. Le mec il est baraque de ouf, prend quand même la peine de s'excuser quoi. JPP, Senpai, où es-tu mon petit pote, histoire que je puisse voir si j'ai un crush pour toi ou pas. Parce que là normalement je suis un mec, ah ouais d'accord. Très bien, regardez-moi cette position mec, c'est tellement effrayant. Il arrive même pas à se toucher les mains gros, ses bras sont tellement longs qu'il arrive même pas à toucher ses mains, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'il peut me choper d'ailleurs? Ouais attends, il y a moins de se choper un game over normalement. Are you ok? Bah pas vraiment non, mais on va dire que oui. Vas-y chope-moi gros s'il te plaît. Vas-y voilà, on va bien le coller comme ça, comme une grosse sangsue, jusqu'à ce qu'on se fasse choper et qu'on se chope le game over, histoire de voir l'animation, ce que ça donne. Allez Senpai merde, fais un effort s'il te plaît. Grimo à l'époque t'étais quand même vachement plus relou, hein. C'est vrai qu'il s'est un petit peu calmé à ce niveau là. Ok, c'est bon, il m'a chopé. Alors, voyons voir la réaction. Oh mon dieu, mec. Il n'y a aucune animation au niveau de la bouche, il reste stoïque. What, gros. I can never face. Oh, non, là, clairement, là, Senpai, je pense qu'il ne voudra plus jamais nous revoir. Hein. Déjà, Kayano n'avait pas beaucoup de chance avec lui, mais alors, en étant comme ça, là, laisse tomber mon pote. Et voilà, magnifique position, la petite PLS qui fait plaisir. C'est vraiment bien marrant, cette version. Alors, il y a une question que je me pose, même si, bon, à mon avis, voilà, je pense que vous comme moi, on connaît la réponse déjà à l'avance. En gros, je veux savoir si je peux rentrer dans les toilettes des garçons ou si je suis. En fait, je suis considéré comme une fille, donc je ne pourrais certainement pas aller dans les vestiaires des mecs, mais. Par contre, si je me change, à quoi je ressemble? Est-ce que ça change quand même? Ah ouais, d'accord, on a notre petit maillot de bain et tout. Donc si je mets le gym uniforme, peut-être que je serai plutôt torse nu alors. Ah si, d'accord. Peu importe ce que je fais, je reste torse nu. Et si je me mets nu, est-ce qu'on a la petite censure ou pas qui est là? D'accord, il se passe absolument rien. On va tenter de se laver avec lui pour voir un petit peu. Eh mais mec, j'avais jamais fait gaffe que les douches c'était comme ça et tout. Waouh, c'est super bien fait. Il y a certainement une version cassotée que j'ai pas vue. Mais waouh, les douches comme ça sont vraiment genre super bien faites. On va sortir, on va quand même aller tester de rentrer dans... What? Ah oui, c'est parce que je suis considéré comme nu en fait. Attends, du coup, je vais me rhabiller, je vais mettre le petit gym uniforme qu'on ne voit absolument pas. Et maintenant, je peux sortir, c'est bon. Bon, la toilette des mecs, comme je vous ai dit, ouais, non, on ne peut pas y aller. Très clairement, c'était prévisible de ouf. Je vais me téléporter sur le toit vite fait et on va essayer de tuer quelqu'un. Est-ce que l'animation va être buggée de ouf ou pas? Alors attendez, hop. Ah ouais, c'est vraiment étrange, hein. C'est vraiment très très étrange. Et si, par exemple, je tue
par exemple, elle, voilà, et ben je vais me battre après, tu vois. Donc comment ça se passe? Attends, moi je vois pas grand chose. Ok, d'accord, elle m'a eu, très bien. Elle m'a maîtrisé super facilement, alors que mec, je fais 3 fois sa taille, c'est de l'abus. Bon, il y a un truc que j'ai vraiment envie de voir. Est-ce qu'on peut utiliser des mods en étant Mandere? Enfin, je sais pas comment il s'appelle, hein. On va l'appeler Billy, pourquoi pas. Du coup, nous allons nous mettre en tornado mode pour voir un petit peu. Ah ouais, d'accord, très bien. Ça lui fait une sorte de vieille barbe dégueulasse. Bon, derrière, c'est pas vraiment une barbe. On fusionne en fait avec les easter eggs et c'est très étrange. Hein. Regardez-moi cette position. C'est génial, putain. Quelle position de malade, gros. Donc ouais, ça marche en fait. Ça marche, les easter eggs fonctionnent, quoi. C'est trop trop bien. Donc tu peux, ouais, activer les tornades et tout, tuer des gens, il n'y a aucun problème. Je vais tester quelque chose. Je vais essayer de porter un corps ou alors tout simplement de traîner un corps pour voir un petit peu comment ça se passe. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Hein. Fusion dégueulasse. Bon, du coup, je serais bien tenté d'utiliser, pourquoi pas, un truc qui pourrait vraiment faire chelou, c'est le Slender mode. Donc c'est parti. Ah ouais, oh là 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 là, comment c'est flippant de ouf. Juste écoutez rien que la musique et la démarche, quoi. On est géant et je trouve que la fusion est plutôt réussie, à part les cheveux qui partent dans tous les sens. Bah au niveau du corps, on a bien grandi et tout. Et ouais, ça rend plutôt pas mal. C'est ultra flippant. Oh là là, regardez-moi cette façon de courir, comment c'est glauque de fou. Ah ouais, j'ai bien fait d'utiliser l'histoire avec Slender Mode parce que la fusion est au top du top. Et bah écoutez les amis, on va se laisser ici pour cette petite découverte Mandere Simulator. Vous en faites pas, les prochaines updates de Yandere vont sortir. Le jeu continue. De toute façon, le développement il est tellement long que t'inquiète pas que Yandere Simulator c'est pas prêt d'être fini. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez ça drôle ou pas, le Mandere Simulator, la joke de Yandere Dev. Et j'espère que vous avez quand même réussi à passer un bon moment avec le Frit Show, voilà, le Frit Saitama ou le Fritzer, bref, peu importe. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner ici si ce n'est pas déjà fait, ou alors checker 2 de mes autres vidéos ici où j'ai encore mes cheveux, enfin non, il y a la vidéo explicative de pourquoi j'ai fait ça, et une vidéo avec mes cheveux d'avant. Bref, des bisous tout le monde, ciao ciao.